Celui dont vous m'avez parlé, son nom grandit dans ma mémoire, comme ces fleurs qu'on a plantées. Son nom s'inscrit dans mon histoire, comme un grand rêve inachevé. Celui dont vous m'avez parlé, son nom se glisse en mon langage, comme ces mots de tous les jours. Son nom traverse mes nuages, comme un soleil à son retour. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur. Celui dont vous m'avez parlé, son nom résiste à mes absences, comme un rocher malgré le temps. Son nom habite mes silences, comme le chant secret du vent. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme un prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette célébration du vendredi, et nous sommes appelés à nous réjouir de la promesse de Dieu envers Israël, envers Jacob, et nous sommes aussi appelés à rendre grâce au nom même de Jésus. L'Église nous propose de prier pour l'évangélisation des peuples. C'est ce que nous allons faire. Prenons un instant et préparons notre cœur à cette rencontre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes ton esprit, porteur des semences de vérité, qu'ils les répandent au cœur de chacun pour y susciter la foi, que tous, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte, avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Israël. Et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit, « Jacob, Jacob. » Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les amena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Judas en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur et comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra en héritage un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre de l'impie. Il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Voilà Jésus qui envoie ses disciples en mission proclamer son nom. Mais voilà que ce nom apportera désapprobation, apportera haine et colère. Ce nom que nous chérissons, cette personne que nous regardons avec espoir et avec admiration. Voilà que, encore aujourd'hui, il est signe de colère et de haine. Ce nom, c'est, quand on parle du nom dans la parole de Dieu, on parle de toute la personne. Mais voilà que, quand on parle du nom de Jésus, encore aujourd'hui, il y a de la persécution. Imaginez dans notre pays, le Canada, avec les pensionnats amérindiens, des gens ont voulu s'en prendre aux églises, 11 églises qui sont brûlées à cause de découvertes de pensionnats qui auraient, selon ce que les médias ont dit, perpétré des lieux et des espaces où il y aurait eu de la maltraitance. Et parce qu'on a découvert les tombes, certains pensent que l'Église catholique a maltraité ses enfants. Voilà que ce nom de Jésus devient une honte pour certains de nos concitoyens. Pourtant, ce nom de Dieu, cette personnalité de Dieu, a confirmé à Jacob, à Israël, qu'il serait toujours avec lui, avec sa descendance, que tous ceux qui croiraient en Dieu, et par le fait même en son Fils envoyé dans notre monde, pourraient recevoir l'héritage promis. Oui, nous sommes heureux de croire en Jésus, car c'est lui qui nous ouvre la porte du ciel, c'est lui qui nous ouvre la porte vers son Père et notre Père. Alors, continuons de rendre grâce, demandons au Seigneur de nous apporter les lumières, de nous envoyer son Esprit Saint, pour que nous puissions répandre la bonne parole, l'Évangile,
qui guérit. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Comme tu as accepté pour sauver le monde de la passion de ton Fils qui t'a glorifié, accepte, Seigneur, cette même offrande que te présente ton Église en prière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient. Jésus-Christ le Seigneur, cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant: « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons ce mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qui deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns pour les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts, et que nous confions à ta miséricorde. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Maurice Daisy. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et avec un cœur rempli de joie et d'espérance en ce Dieu qui nous aime, nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de ta vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage. Et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ton nom, Jésus, est gravé